Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama. Bonjour aux fidèles qui nous regardent. Nous allons parler cette semaine de deux films. Le nouveau film, peut-être le dernier, on va en discuter, de Woody Allen, qui s'appelle Wonder Wheel. Et puis un film français d'Anthony Cordier, dont on avait aimé un film il y a quelques années qui s'appelait Douche froide. Et là, le voilà qui revient avec Gaspard va au mariage. On vous parlera évidemment de quelques petits conseils de la semaine. C'est-à-dire, c'est Samuel et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Eh bien, voilà que nous allons commencer par le film de Woody Allen, qui s'appelle Wonder Wheel. Ça se passe dans les années 50. Il y a une grande roue, on regarde un extrait de la bande-annonce pour nous faire une petite idée. Coney Island, 1950s. The beach, the boardwalk. I work here on Bay 7. Enter Carolina. Excuse me, do you know if Jenny's here? I'm Jenny. I'm Humpty's daughter. You're his wife? Is he gonna be surprised? I'm marked. They're gonna kill me. That's what you get when you marry a gangster. I gotta have a drink. No, Humpty, you've been good. Damn it! Miss, you can't be out here right now. We're expecting lightning storms. When you're married to a man who got rich putting people's feet in cement, you probably never had to do a dish. Your wife don't like to go fishing anymore, Humpty. She made like she liked it. To get me on the hook, I was the fish. You know she's a marked woman. Shouldn't she move on? I know where all the bodies are buried. Did he kiss you? Why are you getting so heated? I'm gonna find him. Alors, est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un grand Woody Allen? Samuel. C'est un bon film, c'est un grand Woody Allen. Un Woody Allen assez surprenant. Parce que on le voit dans la bande-annonce, une très belle photo de Vittorio Storaro, très chaleureuse, un peu dans l'esprit de Radio Days, voilà, des films un peu nostalgiques de Woody Allen. Or, pas du tout. C'est-à-dire que c'est à l'heure, parce que le film est d'une noirceur absolue. C'est un des films les plus pessimistes, les plus désenchantés de Woody Allen. Et on dit ça à chaque fois, mais il en a fait. Il en a fait des films noirs. Mais alors là, celui-là, franchement... les spectateurs, souvent, on se dit, on va voir un film de Woody Allen, c'est l'assurance de bien rigoler. Non. Ça fait quand même quelques années, à mon avis, qu'il se le Mais même dans L'Homme irrationnel, il y avait quand même quelques dialogues assez piquants et tout. Là, c'est vraiment... moi, ce qui m'a surpris dans le film, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'il ose aller aussi loin dans l'évocation de la noirceur des sentiments, la noirceur de l'âme humaine, et tout en étant vraiment très bien enrobé avec quelque chose de très joli. Alors, il y a donc... l'histoire, on l'a vaguement comprise. C'est une femme qui tombe amoureuse, donc c'est Kate Winslet, qui est remarquable. Ah oui, vraiment formidable. Tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais moi, je m'attendais à ce qu'elle soit nommée à l'Oscar. Elle ne l'a pas été pour des raisons hélas évidentes, parce que... Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas évident, parce qu'une actrice est bonne dans un film, elle devrait mériter pouvoir obtenir une nomination. Quoi qu'est fait, ou quoi qu'on suppose que son réalisateur ait fait. Elle n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi on punit Kate Winslet on l'a punie d'avoir accepté un film de Woody Allen, ce qui commence à faire un peu beaucoup. Et donc, le personnage de Kate Winslet s'éprend d'un jeune homme, Justin Timberlake, qui, malheureusement, en passe pour une autre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très Tennessee Williams, parce que c'est vrai que Woody aime bien Tennessee Williams. Il avait fait, il y a quelques années, un film presque aussi noir, qui s'appelait Blue Jasmine. Oui. Où le personnage principal interprète... C'était un peu Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la joie de revoir, comme ça, pour mon plaisir uniquement, parce que plus on décrédibilise Woody Allen, plus moi, je continue à voir ses films. Et donc, j'avais vu un film de Woody qui s'appelait Celebrity, où
avec Kenneth Branagh notamment, où déjà il y a Judy Davis qui faisait une allusion à la fameuse réplique de Blanche Dubois à la fin de la pièce « J'ai toujours fait confiance aux étrangers ». Donc c'est vraiment une pièce et un personnage qui l'obsède, et là c'est véritablement ça, les monologues à la fin. Il y a vraiment le monologue final de Kate Winslet, on est vraiment dans du pur Tennessee Williams. Mais tout le film est quand même assez théâtral, mais ce qui n'est pas un reproche. Hein. Il assume vraiment la théâtralité des situations dans le jeu des comédiens, et notamment de Kate Winslet. Voilà, avec tous ces personnages qui se déchirent, et il y a vraiment de ça. Le film assume vraiment la théâtralité dans le décor, qui est pratiquement un décor unique, notamment dans le logement du personnage de Kate Winslet et de son mari. Et la caméra est très mobile là-dedans, mais la position des personnages fait vraiment qu'il y a un peu comme une scène de théâtre. Et la photo est absolument splendide. On a vu le film il y a quelques semaines, il y a une scène absolument magnifique où pendant les... quelques monologues, parce qu'on en a deux, au moins deux, Kate Winslet, mais la lumière change carrément son visage. Oui, c'est la lumière de la grande roue qui se reflète et on change de couleur. Et on change de couleur, et elle-même change de sentiment quelquefois. Et ça permet à Woody de rendre sa comédienne quelquefois absolument épanouie lorsqu'elle se croit heureuse et aimée, et brusquement à la fin, où en effet, elle ressemble à une vieille Blanche Dubois, en quelque sorte, mais abandonnée, trahie. Et ça, c'est absolument magnifique, la façon dont le chef opérateur, bien sûr, et Woody Allen, joue de la lumière et des sentiments et de la psychologie. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde dit toujours qu'il fait le même film, et je suis surpris de constater que c'est une variation toujours sur des personnages, des situations, mais chaque fois, il arrive à se renouveler. Oui, il y a des changements d'univers, il y a des changements de style dans la mise en scène. Voilà, je parlais de L'homme irrationnel tout à l'heure, qui était un film beaucoup plus sage dans la mise en scène, enfin, une photo qui était plus neutre. Là, effectivement, il joue vraiment le côté très artificiel, mais il l'a déjà fait auparavant. Là, il le fait superbement. Et Café Society, qui était le film précédent, qui était là, sur le coup, vraiment de la nostalgie, mais qui était un film plus, on va dire, plus romantique, plus délicat. Et là, il fait vraiment complètement autre chose. Il fait un film âpre, difficile, parfois éprouvant, mais voilà, c'est quand même un grand metteur en scène. Et dans les couleurs, moi, j'ai aussi revu Midnight in Paris, tu sais, avec Marion Cotillard, et là aussi, c'est les couleurs très chargées, mais qui reflète toujours une vérité, que ce soit celle de Paris ou celle des personnages des années 30. Enfin voilà, bon, on craint que ce soit peut-être le dernier film de Woody Allen. On ne sait pas comment cette histoire sinistre à laquelle tout le monde se mêle sans rien savoir exactement. Des thèses, mais si, mais qui a raison et qui a tort, c'est vraiment à chacun sa vérité, de Pirandello. On ne sait même pas si le nouveau film, parce qu'il est... Il est fini, celui-là. Il est fini, parce qu'il en a déjà fait un autre depuis, qui s'appelle Rainy Day in New York, sortira. Ça, on ne sait pas. C'est Amazon qui l'a produit. Donc, est-ce que Amazon va le garder dans ses tiroirs? Bon, ils ne sont pas à 50 millions de dollars près, donc je pense que ce n'est pas un problème pour eux. Ou est-ce qu'ils ne le mettront que sur leur plateforme de vidéo en ligne? Voilà, on verra tout ça. Enfin, en attendant, il y a Wonder Wheel d'un très, très, très grand cinéaste qui s'appelle Woody Allen. Alors, tout à fait différent. Gaspard va au mariage, qui est un film d'Anthony Cordier, une comédie. C'est une réunion de famille, en quelque sorte, pour faire court. Et je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien que nous a accordé Félix Moati, l'interprète principal. Entretien, évidemment, que vous pouvez retrouver en intégralité sur telerama.fr. On écoute Félix Moati. Je vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. C'est quelqu'un qui a quitté sa famille, qui s'est absenté pendant longtemps sans donner de nouvelles, qui avait besoin de s'affranchir de quelque chose, de fuir peut-être quelque chose, et qui, irrésistiblement, irrémédiablement, il revient, il retourne. Alors, il y a le prétexte du mariage, mais je pense qu'il n'a pas tout réglé encore. Et après, c'est quelqu'un, moi, que j'ai vécu comme assez dur. C'est quelqu'un qui a une dureté en lui, qui a une forme d'effacement un peu nonchalant, un truc un peu de hauteur de vue. Donc, il peut être un peu antipathique. Et qui, en fait, est rattrapé par ce qu'il attache à sa famille, à savoir cet amour presque passionnel qu'il a pour sa sœur, ce rapport compliqué à son frère et très tendre en même temps, ce rapport à ce père qu'il regarde comme un animal étrange, et surtout, il est rattrapé par quelque chose qui est complètement inédit dans sa vie, à savoir Laetitia Doche, qui vient secouer toute cette architecture familiale et dont il tombe follement amoureux.
Alors Félix Moati s'en va retrouver sa famille pour le mariage de son père. Drôle de famille. Ah oui, ça c'est une famille très particulière. Donc voilà, il l'explique. Hein. C'est donc dans un zoo. Il est parti parce qu'au bout d'un moment, c'était ça où ça allait vraiment devenir très très compliqué. Voilà. Et puis il revient pour les nouvelles. Alors, il a une sœur interprétée par Christa Terray. Un peu perché. Oui, on peut dire ça. Elle vit avec un peu comme peau d'âne. Voilà. Sauf que c'est une peau d'ours. C'est une peau d'ours. Voilà. Donc elle est formidable, Christa Terray, une fois de plus. C'est une comédienne que j'aime beaucoup. Il a un frère, Guillaume Gouix, qui est resté, lui, au zoo. Et il rencontre une inconnue, voilà. C'est un peu c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que le début, c'est un peu comme une comédie américaine des années 40, oui, quoi. Il rencontre quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû rencontrer, et puis il va finir sa vie avec elle. Voilà. Il y a un côté vraiment très, très touchant là-dedans. Et puis après, alors moi, j'aime vraiment beaucoup le film, parce que pour une fois qu'il y a une comédie française qui est un peu originale, plutôt bien écrite, avec des super comédiens, et surtout dans lequel on ne sait pas exactement où on va aller. C'est-à-dire, c'est vraiment le film va de surprise en surprise. Voilà, c'est quand même une belle réussite et un petit peu inattendue de la part d'Anthony Cordier, qui avait fait un très joli premier film qui s'appelait Douche froide. Chronique de l'adolescente, plutôt bien. Le deuxième, qui s'appelait Happy Few, c'était beaucoup moins bien. On va dire, sur deux couples qui échangeaient leurs conjoints respectifs. Toujours très très convaincant. Et là, il y a un ton. Voilà, il y a une originalité, un ton, des personnages. Une certaine influence, on va dire, de Wes Anderson, un petit peu. Il y a le côté, voilà, puisque le film est découpé en chapitres, comme ce que aime bien faire Wes Anderson. Il y a ces personnages un peu doudingues, personnages du père un peu immature et à la fois très attachant. Ces histoires de fratrie un peu décomposées qui se recomposent. Il y a un petit qui univers. Qui ne peuvent pas se blairer, mais qui s'adorent. Qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Voilà. Et c'est quelque chose. Et je trouve qu'il digère très bien ses influences, et c'est vraiment une note toujours très juste dans le film. Voilà, c'est pas ce qu'on appelle un grand film, mais petit film est toujours un peu péjoratif, il ne faut pas l'employer, mais c'est une petite note très juste et qu'il tient pratiquement jusqu'au bout. Très bon comédien, tu as cité Christa Terray qui effectivement est toujours très bien, quel que soit le rôle. Félix Moati confirme que c'est vraiment un acteur comique vraiment très bon, quoi. Enfin, il a vraiment un potentiel qui, j'espère, va être développé par la suite. On retrouve Laetitia Doge, qui est toujours très bien. Voilà, Guillaume Gouix, toi, tu l'aimes beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je reproche aux cinéastes français de ne pas l'utiliser suffisamment beaucoup, si je peux dire, suffisamment et suffisamment bien, surtout. Voilà. Enfin, bon, voilà. Mais c'est vraiment un film qu'on vous conseille. C'est vrai que les comédies françaises depuis quelques temps sont pas terribles, alors pour une fois qu'il y en a. Et puis là, si on peut citer une référence française du film, à mon avis, il y a un petit côté Philippe de Broca, qui est plutôt, peut-être un peu moins dynamique, un peu moins bien écrit, mais il y a ce côté, on utilise un décor de manière vraiment intelligente. C'est poétique, quoi. C'est poétique. Ça a vraiment, vraiment beaucoup de charme. Ça a du charme. Et bien voilà, donc nous allons passer maintenant au conseil. Donc on aborde les conseils, et c'est moi qui vais faire le premier conseil. C'est un acteur, en fait, que je voudrais citer, qui est Mathieu Kassovitz, dans un film de Samuel Jouy qui s'appelle Sparring. Alors le film est bien, mais lui est particulièrement intéressant. Alors, des films sur la boxe, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Errol Flynn, Gentleman Jean, il y a un nombre incalculable d'années. Robert De Niro, Raging Bull de Scorsese. Clint Eastwood, récemment, avec une boxeuse. Bon, là, sparring, c'est-à-dire qu'il n'est pas très, très, très doué. Ça n'a jamais été un champion. Je ne sais plus ses statistiques, mais c'est genre 50 combats, 33 défaites, ouais, 13 victoires et 3 nuls. Il adore ça. Et pour subsister à la vie de famille, parce qu'il est marié, il a des enfants, et pour permettre à sa petite fille d'avoir ce qu'elle a envie de ça, eh ben, il fait donc le sparring, c'est-à-dire qu'il prend des coups pour un vrai champion. Et c'est vraiment un joli film, très intimiste, avec des belles scènes spectaculaires. Les scènes de boxe sont très réussies. Vraiment très, très, très réussies. Et lui, il est très doué pour faire ça. Voilà, il sait le faire, il sait à la fois être dur quand il faut, il sait être sensible quand il faut. C'est un bon comédien quand il se laisse diriger. Là, il a visiblement accepté pour le rôle de l'être. Et c'est vraiment un très bon acteur, et dans un film qui est pas mal du tout, qui s'appelle donc Sparring.
Deuxième conseil. Alors, moi, je vais vous parler d'un DVD, alors d'un très grand classique, mais qui, pour l'instant, n'existait que dans une édition DVD un petit peu pourrie. Et là, c'est une magnifique édition DVD Blu-ray. Donc, vous avez un Blu-ray plus trois DVD, parce qu'il y a plein de bonus. Donc, c'est Fellini Roma, de Federico Fellini, le film de 1972. Alors, moi, souvent, à Fellini, j'ai un petit peu de mal avec ces films, parce que c'est toujours des scènes extraordinaires, et le lien entre les scènes est parfois, je trouve, un peu laborieux, etc. Il n'y en a pas vraiment. Et là, ce n'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est une balade dans Rome, un hommage de Fellini à cette ville qu'il a adoptée quand il avait 19 ans. Et donc, voilà, c'est une espèce de déclaration d'amour à cette ville, un peu fantasmé, même beaucoup fantasmé, oui. Dans le passé, dans le présent. Et voilà, donc il y a des scènes extraordinaires d'invention qui montrent à la fois que c'est une ville avec différentes couches spatiales et temporelles, où la ville, le passé est un peu agressé par la modernité. Il y a une scène extraordinaire avec des motards qui se retrouvent au pied du Colisée. Les motards, c'est splendide. Anna Magnani. Anna Magnani qui fait une apparition extraordinaire. C'est sa dernière, et là, il y a deux scènes vraiment que je trouve vraiment formidables dans le film. Alors, une dans l'aspect vraiment très drôle, c'est un défilé d'évêques. Comme un vrai défilé de mode cardinaliste, si j'ose dire, où ils sont en patin à roulettes ou en vélo. Là, c'est vraiment Fellini délirant comme on l'aime. Et dans un registre plus mélancolique, mais là, cette scène est aussi splendide. C'est la construction du métro de Rome. Et évidemment, sous Rome, il y a des trésors archéologiques. On découvre une villa patricienne avec des frais. C'est extraordinaire. Et dès que l'air de l'extérieur arrive, il efface les fresques. Voilà, c'est une scène vraiment formidable. Mais vraiment, c'est un film... Même ceux qui se plaignent quelquefois de la démesure phénoménale... Voilà, là vraiment, Roma, c'est beau. Quoi. Parce que vraiment... Et par ailleurs, dans l'édition, donc c'est Rimini Édition qui édite ce très beau coffret. Et il y a des bonus. Il y a un documentaire de plus de 3 heures sur Fellini au travail. Ils interrogent tous ses collaborateurs, tous ces comédiens, dont Mastroianni. C'est vraiment, vraiment remarquable. Quoi. Alors, troisième conseil, c'est En salle, Assurance sur la mort de Billy Wilder, qui est le classique du genre. Je ne sais pas quoi dire, noir et blanc superbe. C'est la première fois, enfin, une des rares fois en tout cas, où Billy Wilder essayait de mettre des meurtriers anonymes, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'était pas des gangsters qui faisaient des crimes, mais des Américains moyens. Alors, l'astuce suprême, c'est que ces Américains moyens étaient incarnés par des stars, Barbara Stanwyck et Fred McMurray. Mais voilà, c'est un film qui est devenu un classique. Woody Allen, on parlait de Woody Allen tout à l'heure, le considère comme un des plus beaux films jamais réalisés. Et c'est pour nous dire, tout simplement, que... Au fond, n'importe qui, s'il est motivé soit par l'argent, soit par le sexe, peut à peu près faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est un film très amoral, très cynique, du très grand Billy Wilder. Si vous ne l'avez jamais vu, ne le ratez pas, puis si vous l'avez vu, vous pouvez y aller, parce que le suspense tient toujours. Et dernier conseil, mon cher Samuel. Alors, un film à la télé, au cinéma de minuit de France 3, tous les dimanches. Il faut veiller un petit peu tard. C'est à minuit et demi ce dimanche 4 février. Mais alors, ça vaut vraiment la peine. C'est La Rose et la Flèche de Richard Lester. Richard Lester, c'est un cinéaste anglais un petit peu oublié aujourd'hui. Mais il n'a pas fait que des films pour les Beatles. Il a aussi fait des films vraiment très, très intéressants, notamment quand il revisite les grands mythes, soit de la littérature, soit de l'histoire. Il a fait Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Qui était vraiment très bien. Et là, alors c'est un personnage qui a réellement existé, mais qui est devenu un mythe cinématographique, c'est Robin des Bois. Alors, l'originalité du film, c'est que là, Robin des Bois, il est vieilli, usé, fatigué. Il revient des croisades vraiment désabusées, surtout qu'il a vu que la vraie nature de Richard Cœur de Lion, le bon roi Richard du film de Walt Disney, qui était quand même une fiefée ordure. Et donc, il revient et donc vraiment, il en a marre de tout. Et puis, il se dit, il va quand même retrouver Lady Marianne. Pas de chance, Lady Marianne, elle a eu marre d'attendre Robin. Elle est devenue nonne. Voilà. Et en fait, le film raconte... La dernière aventure, en fait, de Robin des Bois et de Lady Marianne. Mais c'est bouleversant. Et c'est vraiment bouleversant parce que, alors déjà, les comédiens, c'est Sean Connery qui fait Robin des Bois, qui est vraiment très bien. Et Lady Marianne, c'est Audrey Hepburn dans un de ses derniers rôles et un de ses plus beaux rôles. Et j'avoue que leurs retrouvailles sont au début assez piquantes, ils s'envoient des piques tous les deux. Enfin, ils ont beaucoup de choses à se reprocher l'un l'autre. Et petit à petit, la magie repasse entre eux, l'amour renaît. Et voilà, et le film est vraiment bouleversant. En plus, il y a la musique de John Williams, qui souvent abuse un peu des violons, mais alors celle-là, elle est vraiment splendide. Ah ben, je confirme, Sean Connery et Audrey Hepburn
On peut veiller jusqu'à 2h du matin. Voilà. Merci Samuel. Merci et Pierre. Donc la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver, enfin j'espère que vous allez nous retrouver, pour deux films. Un, c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui est un suspense de terreur extrêmement efficace. Et puis le nouveau film de Clint Eastwood, qu'on attend. Personne ne sait exactement si c'est bien ou pas. Enfin, les fans d'Eastwood espèrent que oui. Ça s'appelle le 15-17 pour Paris. Et ben, on vous parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.